Ah bah voilà, ça va mieux déjà. Alors je sais pas si ça venait de frappe ce qui en pouvait plus, mais déjà là c'est déjà un peu plus fluide. Alors je sais pas ce qu'on peut faire, soit un détour, soit Où je vais maintenant? passer par l'extérieur. On va voir ce que ça donne à l'extérieur. Là pour affronter encore une saloperie de... Tout ça pour ça. Ah mais il y en a qui spawnent en retour, sinon c'est pas marrant. Bah les couilles au pire. Oh putain, j'ai eu chaud. Tu vas trier. Faire le tour entier ou quoi? Attendez. Désolé, je me mets au calme. Voilà, c'est bon. Je sens que ça va pas être de la rigolade. Attends, en plus. Donc cette fois, de toute façon vous avez la chance, vous pouvez l'avoir une deuxième fois ici. Donc, il faut finir son robot de merde là. Que justice soit faite. C'est bon, elle est faite. Ça a l'air dangereux. Tu devrais passer devant. Enfants, tuez-moi ce gardien et l'arche est à nous.
On va un peu forcer les choses. Ok, j'ai compris. C'est comme des inconnus genre de boss. Mais ça va. On a compris. Vous allez danser les gros ducs. C'est censé être une meuf et elle a une voix de mec. La meilleure gâchette de Pandore. Ouais, je te pique à ce moment-là avec moi. Ah putain, c'est horrible, j'ai des lames. Ouais, maîtriser la glace, on dirait bien. Je vais voir si ça y fait quelque chose parce que là... Non, ça y fait rien. On dégaine. C'est l'heure de la justice. Allez, les putes, t'es où? Mort ou vif, de toute façon, t'es foutu. Ah putain, c'était la reine des putes celle-là. Bon, vous inquiétez pas, c'est pas fini. Vous connaissez Borderlands. Il y a toujours un hic. En fait, je quoi?
Vous allez danser, les trous ducs. De toi, non, désolé, je suis trop sorti de putain, je suis vraiment balèze. Putain, on beaucoup ça. Tu vas crier. J'ai un bon paquet de trucs.
Je suis plutôt doué. Bizarrement, il était plus difficile que le destructeur, mais bon. Que le guerrier, enfin. Pour ceux qui connaissent, hein. Alors, il y a quoi de sympa pour moi. Oh! C'est juste pour faire le bug. Hop. Pour se débloquer. Il y a des bons trucs, mais je peux pas. Je suis obligé de lâcher des trucs. Faire un choix vers les violettes. Allez, c'est parti. Un vrai connard, pas vrai? Beau travail. Ouvre l'œil, au cas où le rouge reviendrait. Je ne veux pas être interrompu. Hein? Quoi? C'est ça? Ce petit machin? Mais qu'est-ce que... Oh, mais quel genre d'arme ça peut... Dieu! Mais oui! Mais je comprends! Je comprends tout! Salut, mon beau. Les tuer. D'abord, il me faut un toubib. Ensuite, on va débarrasser Pandore de ces saloperies de bandits. Et après... Après, on s'occupera de réveiller le guerrier. Le quoi? Oh, ça va être trop bon. On va cramer toute la surface de la planète. Les gens vont hurler. Les bandits vont mourir à tour de bras. Oh, ce que j'ai hâte! C'est là que le héros qui nous avait sauvés sur Helios est mort. C'est là que j'ai laissé le beau Jack. Tu regrettes d'avoir aidé Jack? Oui. Fais ce que tu as à faire. Tu es là. Hein? Non! C'est à cause de gens comme elle que nos amis ne sont plus là. Prêt?
On n'est pas comme ça. T'es pas comme ça. Feu ! C'est quoi ce bordel ? Ce n'est pas le moment de vous chamailler, chasseur de l'Arche. La guerre approche, et vous allez avoir besoin de tous les chasseurs de l'Arche possibles. Ok. Monsieur Tacitor ? Monsieur Tacitor, vous êtes là ? Tacitor s'est fait remplacer, Poupette. À partir d'aujourd'hui, tu travailles pour moi. Mais que... John, c'est vous ? Appelle-moi Jack, chérie. Ah. Le beau Jack. Ok, donc, eh ben... On va déjà essayer de rentrer à Concordia. Donc, là, au final, eh ben, on a tout ce qu'on devait savoir. Par contre, déjà, là, ce qui me plaît pas, c'est que j'ai des ennemis en vue. Pire, on va les ignorer. Donc voilà, donc vous avez appris maintenant comment le beau Jack est venu. Jack ou John est venu. Le beau Jack. Vous avez tout appris, voilà. Donc oui, je me disais bien que l'extraterrestre, on allait l'affronter, mais non, en fait, on va pas affronter l'extraterrestre. On va. Il est de notre côté surtout. Hein. Parce que vu qu'au début on pensait qu'il était ennemi puisqu'il protégeait les Arpédons, mais après au final, tout ce qu'il voulait, c'était protéger les secrets de l'Arche. Bon, on en a appris un peu plus sur les Iridiens et sur le ce qui s'est passé vraiment, mais bon. Je sais pas quoi dire sur Bandarange parce qu'il est totalement différent du 1 et du 2 puisque ça se passe sur la Lune. On n'a pas les mêmes choses. On n'a pas les mêmes armes, etc. Il y a plein de nouveautés. Oui. Ne t'éloigne pas trop, il y a toujours des trucs à faire dans le coin. Ok, donc il me restera les missions secondaires à faire qui a... Comment appelle ça ? Le truc qui était remplacé, c'est cool. Salut, beau gosse. Hein ? C'est à moi que tu parles ? Bah oui. À qui d'autre est-ce que je pourrais parler ? Tu vois d'autres inconnus sexy dans le coin ? Non. J'imagine que non. Comment tu t'appelles ? Ou bien, je peux continuer à t'appeler beau gosse. Oh, moi c'est T... Jack. Mais toi, tu peux m'appeler... comme tu veux. Par exemple, l'homme qui m'a payé un verre. Ok, enfin, c'était... pas du tout instructif, donc on va aller à Concordia. Pour bien s'amuser. On va voir ce qu'on peut faire avec ce qu'on a. Donc oui, donc, au final, ce jeu, eh ben, il est plutôt court, je crois, puisque... Enfin, il a fait la même durée que pour la campagne. Par contre, les quêtes secondaires se finissent beaucoup plus vite que les quêtes de... Board on the... Enfin, bref. Board on the, les quêtes secondaires étaient plus longues que Prisekel, voilà. Un petit déception. Un gros jour pour le capitalisme. Satisfait ou remboursé ? Oublie pas. Tellement d'endroits à visiter, de types habités. Moyeuse en service. Tu vas broyer que dalle à ce rythme, soldat. Insère trois
trois objets si tu veux. On va voir ce que ça va donner, au pire, je m'en bats les couilles de ces flingues. Je les ai fait un peu baiser. En gros, vous avez appris un truc, ne jamais mélanger une arme puissante. Faut qu'ils aient tous le même niveau en fait. Bref, vous vous coucherez moins con. Alors. Pardon. On va bien s'amuser. Hyperion et leur station spatiale. J'ai vu là l'émission par contre, maintenant. Enfin bref. Bon, je vais faire tourner dans le menu parce que sinon. Voilà, bref. Donc au final, ce Borderlands The Pre-Sequel pour moi a été un véritable changement par rapport à la licence Borderlands. Le conseiller, je ne peux pas vous le conseiller. En fait, faut l'aimer, en fait, faut être habitué à Borderlands, voilà. Et faut aussi être un fanboy de la licence, puisque quelqu'un d'autre, je pense qu'il l'aurait pas acheté, parce que déjà, il a eu moins de succès que le 2. Et de toute façon, c'est juste qu'une préquelle, en fait. Si vous voulez, ce jeu, il sert juste à annoncer Borderlands 3, voilà. Ensuite, niveau graphisme, c'est tout à fait passable, sauf que comme on est sur la lune, il fait H24 nuit, voilà. Puisqu'il n'y a pas d'atmosphère, du coup, on voit pas le nuit et le jour. Et ensuite, que dire niveau gameplay, bah, c'était assez sympa, l'oxygène, faire des écrasés au sol, les armes laser qui ont fait leur apparition dans le jeu. C'était assez sympa, voilà. Donc ça va, c'était un bon jeu. Je lui mettrai pas, c'est pas le meilleur jeu que j'ai vu, mais bon, il est sympa, voilà, il est amusant. Après, il y aura les DLC, etc., que je vous ferai. Sur ce, je vais vous dire au revoir, hein, c'est tout ce que j'avais à dire, puisque tout a été dit dans la cinématique, et j'espère que le 3 sera encore mieux que les précédents. Sur ce, bye bye.